Docteur, docteur, j'ai besoin d'un docteur. Docteur, docteur, j'ai besoin d'un docteur. Tiens, ma poule, c'est pour toi. Alors, ouh. Docteur Sabatini, s'il vous plaît. Il est certain que si le considère le seul. Oh, Michel, hop, 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 attends, 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 tu m'as arrangé le coup avec Naomi. 28-32. Je veux plus te voir. Je demande un malheureux service, et ben non, même pas. Intersection 8e, 26e rue. Paya-o. Oh yeah, Naomi, Naomi, yeah, Naomi. Ah, oh, Naomi, c'est par hasard. Si je te demandais si tu as fait des projets pour le week-end, qu'est-ce que tu me dirais? Que j'ai des projets dans TUX. Mais pourquoi ne consacres-tu pas cet excès d'énergie à la recherche d'une douce jeune fille qui ne serait pas trop difficile? Oh, ne cherchons plus. Avec ton esprit, ma force et la voiture de mon frère, on est capable de soulever le monde. Ti amo italiano? Italiano quoi? Politique? Football? Ah, automobile? La bouffe italienne. J'ai horreur. Ah tiens, tu vois mon chou, on a tout de même des points communs. Bon, alors résumons. Tu me trouves sans intérêt, absolument pas séduisant, tu n'apprécies pas mon sens de l'humour, et tu refuserais de sortir avec moi même si cet hôpital ne contenait plus qu'un seul nommé Jackson. Tout à fait. En ce cas, que tu le veuilles ou non, on sera le plus beau couple de l'univers, hein? Jackson. Oui, chérie. Lève tes fesses de mon bureau, d'accord? Cet étage est interdit. Retournez d'où vous venez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais voir ce que c'est et toi tu bouges pas de là. Vous avez 2 minutes pour dégager le secteur, compris? Il ne vous reste plus qu'une minute et demie. En principe, les petits malins se débinent quand il y a des coups de feu. Ce qui veut dire que tu donnes à fond dans la connerie. Ou dans l'héroïsme. Tu choisis quoi? La connerie. C'est encore les miens. We'll be right back.
Oh, ben chouette, monsieur Trevelyan. Trevelyan. Agent Blackwood, agent Whiteside. Blackwood? Whiteside? Black and white? Vous êtes seul là-dedans? Je suis tout seul, oui. Je marche en équipe avec les ordinateurs. Je me croise les doigts, ils se tapent tout le boulot. Entrez, je vous prie. Il y en a qui m'ont dit que j'allais devenir fou ici, mais c'est pas vrai, parce que moi, j'adore le silence. Hein? On se comprend? Pas vraiment. Et voilà le travail. C'est sympa, non? Ça me fout les jetons, tout ça. Le problème, c'est que c'est dur à chauffer. Et pour le ménage, je vous dis pas, par ici, s'il vous plaît. Suivez le guide. Prisonnier matricule 564. Patrick Dixon, architecte. Délit, meurtre. Condamnation, perpète. Perpétuité? Là-dedans. Pourquoi pas le conduire direct au poteau d'exécution? Parce que ce serait la solution de facilité. Un mort, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Exact. Par contre, vivre à perpète dans ce genre d'appart, le corps congelé, l'esprit toujours actif, toujours sollicité, pour moi, c'est un véritable enchantement. Quoique si j'étais un peu bileux de tempérament, j'avoue, ça ficherait une peur bleue. On vous croit sans peine. Disons que celui-ci a de la chance. Mettez-le moi debout. N'auriez pas une bière? Chouette fringue. Ouais, rien à dire. Je suis là depuis longtemps? 24 mois, pile. Ça me fait comme 24 ans. J'ai débloqué des types au bout de 20 piges qui étaient des véritables locumènes. Toi, tu t'en sors à l'aide. Et qui m'a débloqué? Je suis pas un bureau de renseignement. Bonne chance, Dixon. Dixon? Hé, hey, je m'appelle pas... Monsieur Dixon? Trevelyan, FBI, agent Blackwood et Whiteside. Nous sommes-nous déjà vus? Non. Pourquoi m'avez-vous débloqué? Pas le temps de vous expliquer, nous en parlerons en route. Suivez-nous. Hey, les mecs! Je n'irai nulle part si je ne sais pas où je mets les pieds. Nous avons besoin de votre collaboration. De ma collaboration? Oui, des vies humaines dépendent de vous. Des vies humaines? Des vies humaines. Je me barrerai pas de ce petit paradis sans savoir ce que vous attendez de moi. Écoute, Dixon, ne nous casse pas les burnes. C'est la chance de ta vie. T'acceptes de rouler avec nous et t'oublies le reste de ta peine. Tu seras libre comme l'air. Si tu préfères m'envoyer chier, je te remets dans ton tiroir et tu ressembleras à du filet de morue congelé. Je serai amnistié? T'as tout saisi. Bon ben, on y va. Prendre avec les dames, le Jackson. T'as pas voulu quand je t'ai proposé de sortir avec un mec hyper sympa, cette heure-ci on se taperait des linguinis, du pinard blanc, et regarde-moi ça. Eh, ces messieurs nous laisseront peut-être commander une pizza. Tu le dis tout simplement et je lui mets une tarte à travers la gueule. Te dégonfle pas, Jackson. On se tait! Peut-être plus tard. Mon héros. Merde alors, personne n'est fichu de me sortir quelque chose de valable. Nous n'avons plus de 3 minutes devant nous. 3 minutes? Pourquoi? Un renseignement ne coûte rien. Chef, le président vous demande. Trevelyan.
Non, monsieur. Toujours rien à se mettre sous la dent. Il devrait se manifester dans 2 minutes environ. Oui, monsieur. C'est ça. Oui, oui, monsieur le président. L'architecte est là. Entendu. Le président a demandé de mes nouvelles. Il s'agit de votre bébé, non? C'est vous qui avez construit tout ce bazar-là. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça vous rappelle quelque chose? C'est vous qui êtes expert dans le tracé des plans. Hein? Mais on a guère le temps de se retourner. C'est très bien fait. Je loue vos efforts. Oui. Ils ont respecté l'échelle des niveaux. Hein. Les terroristes ont investi la moitié de l'étage supérieur. Et d'après nos premières estimations, ils se seraient emparés d'une dizaine... Une dizaine d'otages? Pourquoi le président se mêle de ça? L'un des otages est d'un intérêt supérieur. C'est sa fille, Sarah. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai déjà fait le tour de la question. Je suis votre otage de choix, n'est-ce pas? Il va donc de soi que vous ne me toucherez pas. Vous voulez savoir ce que je pense? Vous auriez intérêt à consulter un psychiatre. Permettez-moi quelques petites remarques. Je ne sais pas au juste de quelle planète les membres de l'expédition débarquent, mais vous semblez ignorer le fonctionnement des choses chez nous. Tout ça va se solder par une catastrophe. Mettez un pied en dehors d'ici et croyez-moi, vous ne resterez pas en vie. Mais je n'ai pas... Je n'ai jamais vécu avant. Nous sommes prêts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À qui je m'adresse? Trévagnant, FBI. Il est 10h20. Si dans 4 heures je n'ai pas ce que je veux, ce sera l'élimination des otages. Et je garderai la meilleure pour la fin. Nom de Dieu de merde! Dis bonjour à ton père, Sarah. Je suis sûr qu'ils sont reliés à la Maison Blanche. Dis bonjour à ton père, Sarah. N'accédez pas au moindre de leurs désirs. C'était prévisible. Que voulez-vous exactement? Je veux 20 millions de dollars. Comment voulez-vous qu'on fasse pour trouver une somme pareille? À vous de vous démerder. Pépère. Il faudrait s'occuper de monsieur. Il va mourir sur place si vous ne faites rien. On y passera tous. Un jour ou l'autre. Pourriture. L'ami, c'est pas des façons de faire. Vous savez que... Et c'est dangereux de jouer avec... Avec ça, oui. Toutes les cages d'escalier ont été minées. Ils ont mis les ascenseurs en panne. Ici, là et là. Le quatrième fonctionne. On suppose que la porte est restée ouverte. C'est par là qu'il faudra pénétrer. C'est pas de la tarte. L'escouade d'intervention gagnera cet ascenseur par le système de ventilation. Et la seconde équipe interviendra. La première désamorcera les mines. La seconde déboulera sur les terroristes. Ouais, super. Cependant, il y a un problème. Il se peut qu'ils aient miné les conduits d'aération. Donc, quand vous ramperez là-dedans, méfiez-vous de tous les objets suspects. Quand je ramperai? Ouais, ils ne s'attendent pas à une intervention aussi rapide. Doucement. Et si je peux me permettre un conseil, je voudrais pas gâcher le numéro, mais je préférerais rester spectateur. Écoute-moi, Dixon. Si je te dis saute, tu sautes. Tu es à moi que tu le veuilles ou pas. Tu ne marches pas aux ordres et je te promets de te faire redisparaître. D'accord, mais je suis qu'un architecte. Ouais, c'est vrai. On te demande pas non plus de faire du kung-fu. C'est bon. De toute façon, je suis nul en kung-fu.
Quand tu seras sur place, n'oublie pas la première des choses. Oui, se méfie des objets suspects. C'est ça. Si tu vois quelque chose de suspect, eh ben à ce moment-là, je me dis, quelle est cette chose suspecte ? Silence moteur. Ici Bulldog, on est en position. Yeah! Compris, Bulldog. On est en haut de cet ascenseur. Descente entamée. Grouillez-vous les gars, grouillez-vous. Commande ascenseur débranché. Essayons circuit de dérivation. Dérivation effectuée. Ça devrait être bon. Envoyez les sauveteurs! Remuez-vous! C'est moi qui ai bonne mine. Mais il doit bien y avoir un dossier sur lui. On n'arrive pas comme par enchantement. Il n'est pas fiché. Fouillez partout, bordel de merde! Attendez, attendez. J'ai quelque chose. Objet Romulus, dossier confidentiel défense. Classe Alpha. Accès strictement réservé au commando Shadow Chaser. Romulus, Shadow Chaser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Chef! La température cutanée de ce type est pratiquement inexistante. Pas de flux sanguin, pas de zone radiante, en bref, aucun signe de vie organique. Et sa voix atteint des niveaux ultrasoniques très au-delà des possibilités humaines que nous connaissons. J'ai autre chose. Projet tueur de l'ombre. Maître d'œuvre, Joseph G. Kinderman. Nom de Dieu. Kinderman.
Vous le connaissez? Ah oui. C'est le chef du CRNT. CRNT, c'est... Centre de recherche de nouvelles technologies. Passez-le-moi au téléphone. Il va y avoir du remue-ménage dans les chaumières si Kinderman est mêlé à cette affaire. C'est complet. Cette espèce d'enfoiré de Kinderman. Espèce de sale enfoiré de Romulus, j'ignore d'où tu viens et qui tu es, mais tu as démoli 5 de mes hommes froidement. Vous n'avez plus que 3 heures devant vous. Je vous conseille de ne pas les gaspiller. 3 heures ne suffiront jamais à résoudre un problème politique et bureaucratique immense. Bon. Je veux faire preuve de compréhension. Comme vous le voyez, cette épave est entre nos mains. J'ai décidé de vous l'expédier. Vous avez de la chance. Beaucoup. Beaucoup de chance. Disons que... ça clarifie la situation. Vous le regretterez. En fait, la vie est simple. Les vivants d'un côté... les morts de l'autre... Divine. Trévanian, vous m'entendez, cher ami? Bon sang, Dixon. On te croyait mort. Personne n'a eu l'idée de compter les victimes. Vous êtes à chier. On en reparlera. Pour l'instant, Dixon, j'aimerais que... Da Silva. Quoi? Je m'appelle Da Silva. Il y a eu erreur sur le personnage. C'est impossible. Et pourtant vrai, j'ai le plaisir de m'appeler Michael Da Silva. Votre putain d'architecte connaît pas! Jamais été architecte de ma putain de vie! Contactez-moi cette espèce de sac à merde à la prison qu'il vérifie ce qu'il nous a envoyé! Bon, Dixon. Da Silva. J'en ai rien à foutre, je veux savoir ce que tu prends d'ici! C'est pas beau d'être palpoli. Et pousse pas, Trévanian, je passe plusieurs années au fond de mon congélateur, ok? Tu m'en extirpes, tu me proposes l'amnistie, et moi, comme un con, je dois dire oh, excuse-moi, je suis pas le bon client? Il faut dire que ça tient debout. Il ne te reste plus qu'à me sortir de là. Ok? Comment? C'est toi qui m'as mis dans ce foutoir, maintenant tu te démerdes. Je vais te dire ce qui va t'arriver, Dixon. Vu que nous ne pouvons pas entreprendre une quelconque action à l'heure qu'il est, ou tu te planques dans un coin, ou tu te fais massacrer. On est d'accord. D'autres propositions? Aucune. Y a pas à dire, vous êtes d'un précieux soutien. C'est pas de la rigolade, Da Silva. Reste à couvert. Sinon les terroristes vont te prendre pour l'un des nôtres et ça risque de mettre d'autres vies en danger, à savoir... Mais Da Silva! Da Silva! Il est parti.
Ouais, tu peux y aller, c'est ma tournée. Jette un coup d'œil. Oui, exactement. Non, bien. Non, disons que... Non, non, Margaret, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Je ne rentrerai pas, c'est ça. Je te rappellerai dès que je le saurai. Au revoir. Ça risque de me rendre la vie plus désagréable qu'elle ne l'est actuellement. Ouais, c'est plutôt moche. Michael Da Silva, ex-joueur de football. Ah, je savais bien que cette gueule-là ne m'était pas inconnue. Il a tué je ne sais quel traîne patin dans un bar et il a plaidé l'autodéfense. Ouais, et ça a loupé. Un footballeur professionnel. C'est moi qui ai engagé un compte footballeur pour nous dépanner. Chez les hommes. Oh, regardez-moi ça. Sors de là. Tu m'entends? Ne touche pas à la détente! Elle est ultra sensible! Non! Ne paniquons pas, je sais me servir d'une arme. Vous croyez que vous comptez pour cette grosse brute? Il se moque éperdument de vous. Vous êtes tous que du matériel pour lui. Ah! Oui, oui, c'est moi. J'ai besoin d'un renseignement. Je m'en contrefiche, passez-le-moi immédiatement. Non, mais... Debout, salope. J'ai dit debout. Tu piges. Mademoiselle n'est pas une salope. Laisse tomber. Arrête un peu, tu vas pas là. Ta gueule. Tu bouges et t'as plus de cervelle. Ah!
Salut-y! Salut-y! Et c'était pour rigoler. Comme un rat coincé entre la cage d'ascenseur et le système d'aération. Perdu. Va te faire aimer. Il s'agit pas d'un homme à moi. Écoute, je t'en donne ma parole d'honneur, ça te va? Laisse-la tranquille, réglons l'affaire entre nous. Comment tu t'appelles? Laura Jemunson. Il y a longtemps que tu travailles ici?
Ça fait 11 mois. Romulus, ce n'est pas un homme à moi. Trévagnant, tu me l'as déjà dit 100 fois. De toute façon, que je te le dise ou pas, tu feras exactement comme tu en as envie. Ça t'avancerait à quoi de savoir si c'est vrai ou si je mens? Alors relâche-la. L'ennui, c'est que ça devient nécessaire. Hé, hey, connard! Tu m'entends? Je suis pas un fédé. Admettons, alors qui es-tu? Un invité qui s'est gouré de porte. Ça sert à rien de la tuer. Hé, si c'est moi que tu veux, essaie de m'attraper. Et qu'est-ce qui te prend? Je te fais peur? Permets-moi de me marrer doucement. Arrête un peu de déconner! Trévagnant, t'as plus que 2 heures devant toi. Da Silva, tu m'entends? Nom de Dieu, tu entends ce que je te dis? À te faire voir chez Plumeau. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Encore un otage de moins à cause de toi. Et tu crois que ça m'amuse, salopard de flic? Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais je peux te dire que tu nous emmerdes plutôt qu'autre chose. T'es pas dans la course, Trévagnant. Faut te faire à cette idée. Où tu te crois, du con? Au milieu du stade? En train de faire joujou avec un petit ballon? Hey. T'as peut-être besoin d'un coach pour t'expliquer comment on le met au cul de l'adversaire. Moi, je sais. Oublie l'amnistie, Da Silva. Non seulement on va te refoutre au congélo, mais moi, je peux te garantir que tu vas t'y frigorifier les couilles jusqu'à la fin de ta putain de vie. Tu m'entends? Toujours grand monde, Trévagnant. Kinderman. Je vois que cet ulcère travaille encore votre pauvre estomac. J'aimerais que l'on vide cet endroit de ceux qui n'ont rien à y faire. Qu'est-ce que vous me chantez là? J'ai besoin de tous ces gens autour de moi. Il ne s'agit plus d'une simple prise d'otage. C'est la sécurité nationale qui est en jeu maintenant. La sécurité nationale? Et puis quoi encore? Vous croyez peut-être que vous allez prendre la relève avec vos mousquetaires? D'après la mission dont j'ai été investi par le Pentagone, vous me devez obéissance absolue. Cela vous suffit-il, monsieur Trévagnant? Cela vous suffit? Oui, monsieur Kinderman. Alors videz-moi les lieux. Désolé. Je garde ces deux-là. Comme vous voudrez, Trévagnant. Comme vous voudrez. Assurance vie. Y a du monde en dessous? Vous me recevez? Vous êtes nouveau ou... Je suis Joseph Kinderman, membre du CRNT, Centre de Recherche en Nouvelles Technologies. Vos labos auraient-ils égaré un petit lapin? Votre collaboration avec M. Trévagnant semble avoir créé un petit problème. Comme je reprends tout en main, j'espère que cela va s'arranger. Oh, merci, docteur. Vous venez de me mettre du baume au cœur. Je dirige un service baptisé Shadow Cheddar. Et responsable, entre autres, du projet Romulus. Ce serait pas lié à l'autre enfoiré qui me cavale après? Ça l'est. Cette perspicacité me surprend de votre part. Cet énorme projet visait à créer le guerrier parfait, disons une sorte d'automate. Intelligent, susceptible de tout exécuter. Et surtout, au départ, dénué de tout sens de la moralité. Ce Romulus en est l'illustration. Un androïde? C'était une blague.
Ce dingue serait un androïde ? Androïde, certes. Dingue en aucun cas. Romulus raisonne très sainement, puisqu'il est dépourvu d'inhibition à caractère social, sentimental ou personnel. C'est bien ce que je disais. Le Romulus en question semble avoir complètement disjoncté. Romulus est une machine à tuer coûtant 1 milliard, monsieur Da Silva. Vous n'avez aucune chance de l'intercepter. Ne vous mettez pas en travers de son chemin. Dis-tu bien, tant que cette affaire ne sera pas résolue. Attendez. Est-ce que j'ai l'air d'une saloperie de terroriste ? Peut-être. Sûrement pas. Alors, qui êtes-vous ? Un flic, peut-être ? Pas tout à fait. FBI ? CIA ? Preux chevalier des brigades spéciales ? Ils se bagarrent comme des fous à l'autre bout. Ça fait une demi-heure qu'il cherche une idée lumineuse pour battre l'androïde. Pas de chance jusque-là. Ils vont peut-être le défier aux échecs, qui sait. Ouais, pourquoi pas. Faut se barrer en vitesse. Ah non, 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 je ne peux pas me balader dans cet état-là. Vous voudriez pas vous changer, les fins ? Évidemment que je vais me changer, je suis totalement ridicule. Mais alors mettez un linceul, ce sera toujours ça de fait. Fermez la porte, s'il vous plaît. La porte. Rien vu ? Pas dans mon coin. Allons voir par là. Ok. J'y suis. C'est quoi au juste ? J'ai subi une intoxication alimentaire à l'ambassade de France. Je suis arrivée comme j'étais. Chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont ? Enlevez-moi ça. Ah, mais ça ne va pas ! Je vous interdis ! Vous ne savez pas à qui vous... Arrête ton cirque. Vous dites ? Dehors, t'es la fifille du président, ok. Mais ici, t'es qu'un supplément de bagage. Vous croyez devoir me traîner comme un boulet ? Natation, volleyball, tir à l'arc, escrime, tir au pistolet, gymnastique, course de demi-fond. Est-ce que cela vous suffit ? Et championne d'équitation pour pousser tout ça. Écoute, chérie, je viens d'avoir une rude journée. Si tu me causes le moindre emmerdement, je te laisse tomber comme une vieille chaussette. Pigé ? Ah, oui. Pigé. Un petit conseil. Les papates au garde à vous. Non, merci. Voyez-vous, je m'en passerai, comme vous l'avez si poliment suggéré. Eh ben voilà. Da Silva ! Soyez aimable de lui confirmer que je vous porte secours. Il dit qu'il essaie de me donner un coup de main. Neil est avec la fille, ce putain d'enfoiré de Kung Fu. Da Silva, tu ne trouveras pas la moindre sortie de secours. Da Silva! Allô, Romulus, ici Kinderman. Da Silva est avec la fille. Vous êtes malade ? Il n'agit pas sous mes ordres. Il a pris seul cette initiative sans pouvoir... Non, non ! Thank you.
Hé, du con, ça marche mieux découpillé. Jonah, niveau 38. Action. Si vous me refaites un numéro comme ça, j'oublierai que c'est vous qui devez soi-disant commander. Je vous botterai les fesses. J'ai encore une chance, une toute petite chance de remettre la main sur Romulus. Ce n'est ni vous ni Da Silva qui viendrez contrecarrer mes plans. Récupérer Romulus ? Lèche-botte ! Vous vous foutez éperdument des otages, hein ? Vous ne pensez qu'à votre espèce de robot de merde ? Oui, j'en ai l'intention. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous comptez y arriver. Cette information ne sera divulguée qu'à un petit nombre d'initiés. Dont vous ne faites pas partie. Plus de respect, triste époque. Oh, te laisse pas prendre la tête avec ça. L'histoire des 20 millions. Il y en a qu'un qui croit que tu vaux ça. Et ses piles commencent à flancher. Mon pro chevalier. Qu'est-ce que vous faites? Je rattrape mon retard de sommeil. Ça fait que 2 ans que je repie. Non. Non, non, non. Ce n'est pas l'heure de la sieste, mon petit bonhomme. Pourquoi ne continuons-nous pas? Pour aller où? Bah, autre part qu'ici, sortir de cet immeuble. Toutes les issues sont bloquées. Il n'y a plus de solution. On va rester là à attendre. Si t'en as envie, je t'empêcherai pas de sortir et de te faire descendre, comme tu veux. Moi, j'ai encore plein de belles choses à faire dans la vie. L'équipe des 49ers. Au football. Ah! Le numéro 4 contre les Dolphins de Miami, le match de la sélection pour le Super Bowl. C'est ça, pas vrai? T'étais au match? Tribune présidentielle. Oh! Mince alors! Vous avez été le 3e quarterback de l'histoire à courir 100 yards dans le dernier carton. Un exploit formidable! Ouais, quelle percée! Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Entre vous et moi, ils ont eu tort de vous faire rentrer qu'au dernier moment. Je savais que vous aviez un bras d'acier, mais alors une paire de jambes comme ça, vous aviez emmanché le turbo. J'avais vu jouer le quarterback. Je pense que vous auriez dû passer Andrews malgré tout. Non, mais ça va pas. Andrew était couvert par Hudge. Je sais. Seulement Silverstone l'a cloué sur place. Ah, mais tu veux rien? T'avais largement le temps de faire la passe. Tu dis n'importe quoi, j'avais Johnson et Kupferman au Mich. Tu voulais peut-être que je les regarde jouer? C'est Davis qui te lâchait pas d'une semelle. S'il avait marqué le touchdown, t'aurais pu aller travailler. Il était loin de moi et il serait jamais arrivé à me rattraper. C'est surtout parce que Ted lui a fait bouffer des mottes de gazon. Mais ça s'appelle le travail d'équipe, mon lapin. Ouais. Quel sens fabuleux de la propos tout de même. Le bon geste au bon moment. Tu.
D'où vient un tel changement d'un seul coup? Je suis passé au proche chevalier. Vous comptez attendre tranquillement que ça se passe? Hein? Mieux encore. Je vais déployer les bras et on va décoller comme des oiseaux. Il n'y a que deux issues pour sortir de l'immeuble, les escaliers et l'ascenseur, mais l'ennui, c'est qu'ils sont minés comme pas permis. Minés comme pas permis? Ouais, minés comme pas permis. C'est l'évidence. Évidence, quoi? Il aura fallu... Fallu quoi? On repart. Suis-moi. Allô, Fox? Ici Shashila. Shashila appelle Fox. Répondez. Fox à l'écoute. Où en êtes-vous, Shashila? Chef, Backward! Du nouveau? Nos petits copains ont l'air de vouloir se parler sur haute fréquence. Passe en haut-parleur. Horaire prévu. Attends mon signal. Enlèvement dans 15 minutes. Bien reçu, Fox. Shashila terminé. Shashila? Des vieux hélicos portaient un nom comme ça. Ouais. Il ne faut pas s'en étonner. L'hélicoptère est le seul moyen de se tirer d'ici. John en saura peut-être plus que nous. Allons-y. Rien de plus. Bon, si Romulus a donné le feu vert à son pilote 15 minutes seulement avant de procéder à l'enlèvement, ça signifie que l'appareil se trouve dans ce périmètre. Ça ne laisse que peu de possibilités. L'ancienne usine de Riverside où la décharge, tout le reste est résidentiel. Allez voir ça de près. Il nous reste exactement une heure pour trouver la solution. Vous croyez que si on parvient à la trouver, ça nous vaudra une belle petite prime? Si jamais on y arrive, faudra s'estimer heureux de pouvoir le raconter. Message reçu. Au boulot, les enfants. Très vaillant. Où sont vos collaborateurs? Cette information ne sera transmise qu'à un petit nombre d'invités dont vous ne faites pas partie. Excusez-moi de vous poser une question pouvant sembler idiote, mais... Chut! C'est aussi idiot, mais je crois que j'ai trouvé. Auriez-vous pris une décision par hasard? Je l'ai prise uniquement parce que je pense à votre avenir. Monsieur le Président, je pense avoir une petite chance de venir à bout de Romulus, mais ce sera possible que si on affronte l'adversaire. La seule et unique possibilité se présentant à nous sera au cours de l'échange prévu entre rançon et otage. Oui, Monsieur le Président, j'en suis parfaitement conscient. Mais je peux vous donner l'assurance absolue que ça réussira. Merci, Monsieur le Président. Vous n'aurez pas à regretter cette décision. Les Bignons seront là dans peu de temps. Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes hommes, je vous prie? Ah, oh, suis-je distraite, je vous avais pris pour un mec. Hello, Viet. Ça va pas recommencer, hein? Donne-moi ton joujou. Viens le prendre. Branchez-vous. Vas-y, tiens-vous, tiens-vous. Respire, ouvre les narines. Ah! Ah!
Trévanian, t'es prêt? Je t'envoie la fille. Putain! Tu me l'envoies et je te paie 20 millions de canettes de bière, sacré farceur. Bon, salut. Non, t'as aucune chance. Essayons, nous verrons bien. C'est tout. Qu'est-ce que tu fabriques, Da Silva? Arrête de jouer les héros. T'as intérêt à laisser tomber si tu veux être amnistié. Tue-toi, ça suffit. Romulus. Ici Kinderman. Kinderman. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler à son créateur. Dois-je considérer ça comme un honneur? Romulus, tu ne gagneras pas. Oh, vous croyez? Je connais tes limites. Ta vie ne pèse plus très lourd. C'est beau, l'optimisme. C'est une qualité rare à notre époque. Pourquoi te lances-tu dans cette affaire? L'argent ne présente aucun intérêt pour toi. J'ai appris que l'argent, c'est la liberté. Quel pouvait être mon avenir entre vos mains? N'être qu'un soldat de plomb. Obéissant. Éliminable. Il y a beaucoup de moi en toi, Romulus. Je serais malheureux de devoir te détruire. Comme c'est touchant. Quoique. Y aurait-il un lien avec le milliard de dollars investi sur moi? Il va falloir te mettre hors circuit, Romulus. Qui peut mieux s'en charger que mon créateur? Pour procéder à ta destruction. Il peut arriver que la créature détruise son créateur. Ce serait peut-être le seul moyen d'être libre, finalement. Allons-y, il y a papa et maman qui nous attendent en bas. Tu sauras te servir de ça? Non, mais j'ai pas envie. Allez, en route, les enfants. On se dépêche. Allez, allez. C'est parfait. J'aimerais profiter de cette occasion pour... On verra plus tard pour les lécheries. Allez, grouille. Je comprends pourquoi on vous avait gelé. Dépêchez-vous. Avancez. Suivez-nous. Thank you.
pas. Il ne nous poursuit plus. KD-28, appel CD-39, répondez. CD-39, à vous, KD-28. Romulus! Terminé. Où vous avez l'argent, ou ce sera regrettable pour elle. Nous l'avons. Et l'ascenseur descend vers vous. Je veux que le président vienne me remettre l'argent. T'as complètement disjoncté cette fois-ci. Non, je regrette, Romulus, ce n'était pas prévu dans l'accord. Monsieur le président, je suis persuadé que vous regardez. La décision est facile à prendre. Vous me remettez l'argent vous-même. Ou alors... vous assisterez à la mort de Sarah. Et cette fléchette contient un mélange d'acide et de ZSV. C'est un micro-explosif. Je sais mieux que vous ce que c'est. Une fois injecté dans le circuit biologique normal, le ZSV se dirige immédiatement vers le cortex. Et là, il explose. Minuscule explosion, certes, mais qui devrait agir fatalement sur Romulus. Nous déclenchons une sorte d'embolie avec ce produit. Docteur Kinderman. Monsieur le Président. Monsieur. Je suppose que vos services ont réservé une surprise à ce Romulus. Oui, c'est le mot exact. À mon humble avis, rien ne nous garantit que cette aspirine donnera des résultats. Ne parlez pas sans savoir, monsieur Travagnan. Messieurs, je crains que ces querelles ne soient pas tout à fait de mise au moment où nous affrontons un pénible drame. Avez-vous des tireurs d'élite? Ce qu'on peut trouver de meilleur. Bien.
Enfin, nous l'espérons. Comme nous en avons discuté avec Monsieur Trévagnan, Romulus ne s'attendant pas à mon intervention, nous bénéficierons d'effet de surprise. L'affaire sera réglée en quelques secondes. Bonne chance, Monsieur le Président. La dernière fois que je m'adresse à toi, Romulus. Tu as dit que si la créature parvenait à détruire son créateur, ça lui permettrait d'être libre de ses propos. De quels propos ? Tous ses propos. Nous t'offrons cette liberté. Sauras-tu saisir la chance ? Pourquoi ? Vous êtes populaire, Monsieur le Président, très populaire. Votre politique de détente internationale vous a valu le plus beau triomphe dont on puisse rêver. Mais tandis que vous flattiez votre électorat, nos ennemis se moquaient de vous et de nous. De votre nouvelle Amérique si soudainement amollie. Bon nombre d'entre nous ne partagent pas votre point de vue, Monsieur le Président. Quand vous abandonnerez le pouvoir, vous laisserez place à un gouvernement plus énergique, un gouvernement qui fera en sorte que notre nation recouvre sa grandeur d'antan. Quand j'abandonnerai le pouvoir, vous déraisonnez. Je n'ai nulle intention de mettre fin à mon mandat. Vous croyez ? Cette fille. Non ! Trévagnan ? On dirait que tu t'es fait avoir dans les grandes largeurs ? Moi aussi, par la même occasion. Fox à Chinchilla. Répondez. Fox, j'écoute. Vous avez le feu vert, Chinchilla. Venez nous chercher. Bien compris. Trévagnan, ils ont réamorcé leur putain de mine. Le compte à rebours est commencé. Dans moins de 15 minutes, toute la baraque va sauter. Moi et Da Silva, tout va exploser. Bien joli coup pour un débutant, Kinderman. Vous ne savez pas accepter la défaite, Monsieur Da Silva. Eh non. Parce que je dois en finir avec le fondu que vous êtes. Hé, hey, Blondinet, ils t'ont pas appris à tirer ? Ignore-le. Il est aussi dangereux qu'un ver de terre. À toi d'en décider. Hé, hey, Duchnock ! Ma grand-mère visait bien mieux que ça ! Sur sa chaise ! Hé,
T'as besoin de batterie? Tu devrais essayer les piles au cadmium. C'est vrai, t'as plus la forme olympique. Mais ce point-là, faut absolument le marquer. Rira bien qui rira le dernier, face de rat. Thank you.
Sarah, tout va bien? Quelqu'un aimerait vous dire un mot. Venez. Oh, ma petite fille. Heureux de te revoir. Je croyais qu'il l'avait bousillé. Cher ami, Kinderman menait des recherches sur les androïdes, mais il n'en avait pas le monopole. T'es le roi des emmangés. Hey, heureusement que je suis cool. C'était un truc à s'énerver, mec. T2, configuration 4. Contrôlé. Signal d'entrée normal. Contrôlé. Système clavier. Système clavier contrôlé. Tissu vivant.
Tissu vivant, normal. Température épiderme. Niveau correct. Contrôle encodage. Encodage contrôlé. Terminé. Michel, hop, 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 attends, tu m'as arrangé le coup avec Naomi. 28-32. Je veux plus te voir. Je demande un malheureux service, et ben non, même pas. Intersection 8e, 26e rue. Paya-o. Oh yeah, Naomi, Naomi, yeah, Naomi. Ah, oh, non mais c'est par hasard. Si je te demandais si tu as fait des projets pour le week-end, qu'est-ce que tu me dirais? Que j'ai des projets dans UX. Pourquoi ne consacres-tu pas cet excès d'énergie à la recherche d'une douce jeune fille qui ne serait pas trop difficile? Oh, ne cherchons plus. Avec ton esprit, ma force et la voiture de mon frère, on est capable de soulever le monde. Ti amo italiano? Italiano quoi? Politique? Football? Ah, automobile? La bouffe italienne. J'ai horreur. Ah tiens, tu vois mon chou, on a tout de même des points communs. Bon, alors résumons. Tu me trouves sans intérêt, absolument pas séduisant, tu n'apprécies pas mon sens de l'humour, et tu refuserais de sortir avec moi même si cet hôpital ne contenait plus qu'un seul nommé Jackson. Tout à fait. En ce cas, que tu le veuilles ou non, on sera le plus beau couple de l'univers, hein? Jackson. Oui, chérie. Lève tes fesses de mon bureau, d'accord? Cet étage est interdit. Retournez d'où vous venez. Thank you.
voir ce que c'est et toi tu bouges pas de là. Vous avez deux minutes pour dégager le secteur, compris? Il ne vous reste plus qu'une minute et demie. Les petits malins se débinent quand il y a des coups de feu. Ce qui veut dire que tu donnes à fond dans la connerie. Ou dans l'héroïsme. Tu choisis quoi? La connerie. C'est encore les miens. Chouette, monsieur Trevelyan. Trevelyan. Agent Blackwood, agent Whiteside. Blackwood? Whiteside? Black and white? Vous êtes seul là-dedans? Je suis tout seul, oui. Je marche en équipe avec les ordinateurs. Je me croise les doigts et ils se tapent tout le boulot. Entrez, je vous prie. Il y en a qui m'ont dit que j'allais devenir fou ici, mais c'est pas vrai parce que moi j'adore le silence. On se comprend? Pas vraiment. Et voilà le travail. C'est sympa, non? Ça me fout les jetons, tout ça. Le problème, c'est que c'est dur à chauffer. Et pour le ménage, je vous dis pas. Par ici, s'il vous plaît. Suivez le guide. Prisonnier matricule 564, Patrick Dixon, architecte. Délit, meurtre. Condamnation, perpète. Perpétuité? Là-dedans. Pourquoi pas le conduire direct au poteau d'exécution? Parce que ce serait la solution de facilité. Un mort, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Exact. Par contre, vivre à perpète dans ce genre d'appart, le corps congelé, l'esprit toujours actif, toujours sollicité, pour moi, c'est un véritable enchantement. Quoique si j'étais un peu bileux de tempérament, j'avoue que ça me ficherait une peur bleue. On vous croit sans peine. Disons que celui-ci a de la chance. Mettez-le moi debout. N'auriez pas une bière? Chouette fringue. Ouais, rien à dire. Je suis là depuis longtemps? 24 mois pile. Ça me fait comme 24 ans. J'ai débloqué des types au bout de 20 piges qui étaient des véritables locumènes. Toi, tu t'en sors à l'aise. Et qui m'a débloqué? Je suis pas un bureau de renseignement. Bonne chance, Dixon. Dixon? Hé, je m'appelle pas...
Monsieur Dixon, Trevanion, FBI, agent Blackwood et Whiteside. Nous sommes-nous déjà vus ? Non. Pourquoi m'avez-vous débloqué ? Pas le temps de vous expliquer, nous en parlerons en route. Suivez-nous. Hey, les mecs ! Je n'irai nulle part si je ne sais pas où je mets les pieds. Nous avons besoin de votre collaboration. De ma collaboration ? Oui, des vies humaines dépendent de vous. Des vies humaines ? Des vies humaines. Je me barrerai pas de ce petit paradis sans savoir ce que vous attendez de moi. Écoute, Dixon. Ne nous casse pas les burnes. C'est la chance de ta vie. T'acceptes de rouler avec nous, et t'oublies le reste de ta peine. Tu seras libre comme l'air. Si tu préfères m'envoyer chier, je te remets dans ton tiroir et tu ressembleras à du filet de morue congelé. Je serai amnistié ? T'as tout saisi. Bon ben on y va ! Avec les dames, le Jackson. T'as pas voulu quand je t'ai proposé de sortir avec un mec hyper sympa, cette heure-ci on se taperait des linguinis, des pinards blancs, et regarde-moi ça. Eh, ces messieurs nous laisseront peut-être commander une pizza. Tu le dis tout simplement et je lui mets une tarte à travers la gueule. Te dégonfle pas, Jackson. On se tait ! Peut-être plus tard. Mon héros. Merde alors, personne n'est fichu de me sortir quelque chose de valable. Nous n'avons plus de 3 minutes devant nous. 3 minutes ? Pourquoi ? Un renseignement ne coûte rien. Chef, le président vous demande. Très vaillant. Non, monsieur, toujours rien à se mettre sous la dent. Il devrait se manifester dans 2 minutes environ. Oui, monsieur, c'est ça. Oui, monsieur le président, l'architecte est là. Entendu. Le président a demandé de mes nouvelles. Il s'agit de votre bébé, non? C'est vous qui avez construit tout ce bazar-là. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça vous rappelle quelque chose? C'est vous qui êtes expert dans le tracé des plans. Hein? Mais on a guère le temps de se retourner. C'est très bien fait. Je loue vos efforts. Oui. Ils ont respecté l'échelle des niveaux. Hein. Les terroristes ont investi la moitié de l'étage supérieur. Et d'après nos premières estimations, ils se seraient emparés d'une dizaine de... Une dizaine d'otages? Pourquoi le président se mêle de ça? L'un des otages est d'un intérêt supérieur. C'est sa fille, Sarah. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai déjà fait le tour de la question. Je suis votre otage de choix, n'est-ce pas? Il va donc de soi que vous ne me toucherez pas. Vous voulez savoir ce que je pense? Vous auriez intérêt à consulter un psychiatre. Permettez-moi quelques petites remarques. Je ne sais pas au juste de quelle planète les membres de l'expédition débarquent, mais vous semblez ignorer le fonctionnement des choses chez nous. Tout ça va se solder par une catastrophe. Mettez un pied en dehors d'ici et croyez-moi, vous ne resterez pas en vie. Mais je n'ai pas... Je n'ai jamais vécu avant. Nous sommes prêts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À qui je m'adresse ? Trevanion, FBI. Il est 10h20.
Si dans 4 heures je n'ai pas ce que je veux, ce sera l'élimination des otages. Et je garderai la meilleure pour la fin. Nom de Dieu de merde! Dis bonjour à ton père, Sarah. Je suis sûr qu'ils sont reliés à la Maison Blanche. Dis bonjour à ton père, Sarah. N'accédez pas au moindre de leurs désirs. C'était prévisible. Que voulez-vous exactement? Je veux 20 millions de dollars. Comment voulez-vous qu'on fasse pour trouver une somme pareille? À vous de vous démerder. Pépère. Il faudrait s'occuper de monsieur. Il va mourir sur place si vous ne faites rien. On y passera tous. Un jour ou l'autre. Pourriture. L'ami, c'est pas des façons de faire. Vous savez que... Et c'est dangereux de jouer avec... Avec ça, oui. Toutes les cages d'escalier ont été minées. Ils ont mis les ascenseurs en panne. Ici, là et là. Le 4e fonctionne.